Bonjour à tous! Donc, je suis présentement dans mon palace. Non, sérieusement, j'ai décidé de ne pas filmer dans mon bureau aujourd'hui, étant donné que le soleil ne fait pas vraiment de la partie, ou du moins, juste la clarté à l'extérieur. Aujourd'hui, dans la vidéo que je vais vous montrer, c'est un petit peu thématique Bali. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'il fasse clair, qu'il fasse beau et tout. Mais écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie, hein? Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui m'a comme popé en tête, on pourrait dire, hier matin. J'étais en train de manger mon petit bol d'açaï le matin. Je me disais, il me semble que je partirais en voyage. Puis là, je pensais à plein de destinations et tout. Puis là, j'ai pensé à Occupation Double, Bali. Parce que j'avais parlé avec une de mes amies qu'on voulait y aller avant que Occupation Double dévoile que la destination allait être Bali. Puis quand on a su ça, on s'est dit, ça nous tentait un peu moins d'y aller, vu qu'on se disait, bon, Bali va être vraiment étiqueté Occupation Double. Fait que on voulait changer de destination, mais bref, ce que je voulais dire, c'est que ma vidéo aujourd'hui, ça va être ce que je pense des gars d'OD Bali. C'est le fun, hein? Oui! Je me suis dit, si vous aimez cette formule-là, mais je vais en faire une vidéo, ce que je pense des filles d'OD Bali après. J'ai écrit dans mon petit calepin quelques petites notes sur ça. J'ai mis ma robe estivale, tu sais, pour évoquer la thématique. Là, c'est la première vidéo que je pourrais faire qui pourrait être controversée, qu'on pourrait dire, là, parce que je vais peut-être porter des jugements. Ben, tu sais, pas des jugements, là, je serai pas méchante, je suis pas là pour bitcher, c'est juste, mettons, ce que je pense de eux, mon avis à moi, Meghan Renault, ok? Fait que, si vous êtes pas d'accord, vous pouvez, puis vous pouvez aussi être d'accord avec ce que je dis. Si jamais ça vous rejoint aussi, vous pensez la même chose, vous pouvez me l'écrire en commentaire. On fit, on pense la même chose. Mais si jamais vous êtes en désaccord, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Là, c'est ça, hein, YouTube, c'est plein de sujets, plein de controverses. Puis si vous aimez pas Occupation Double Bali, vous pouvez changer de vidéo. J'ai une belle sélection de vidéos, ok? C'est pas obligé d'être celle-là. On va commencer sans plus tarder! On dirait que je suis pas capable de faire des introductions courtes, hein. Ça fait déjà 3 minutes. Là, je vais sur la page d'Occupation Double pour pouvoir avoir les photos en même temps. Bon, here we go la gang! Fait que je vais partir du premier gars qui a été éliminé, qui est Yuri. Yuri, veux-tu avoir sa photo? Ah! Yuri, je me rappelle que sur le tapis rouge, on l'avait pas vu, hein, bien évidemment, il avait pas été sélectionné. Mais après ça, il y a eu comme un cocktail avec Alanis dans lequel il pouvait, que les gars pouvaient se vendre, là, ceux qui n'avaient pas été choisis encore, pour qu'on en sauve un. Puis je me rappelle que c'était vraiment Yuri qui m'avait accroché. J'étais comme, waouh, il est vraiment beau, puis je trippais dessus. Là, quand elle a choisi Cendrick, j'avais une déception, là, parce que j'avais pas vraiment checké Cendrick là, à ce moment-là. Fait que j'étais comme, oh, je voulais que ce soit Yuri. Mais là, après ça, quand le public il a voté pour Yuri, j'étais full contente. J'étais là, oh, c'est fun! Puis je la trouvais bien beau. Mais en fait, je l'ai un peu mal vu, je pense. C'était assez rapide, là, on l'a pas vraiment vu. J'ai même pas eu le temps de dire qu'il était beau ou qu'il était pas dans l'aventure. Quoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que dès son entrée dans l'aventure, il est tellement parti vite que j'ai même pas eu le temps de me poser la question si j'ai trouvé mon goût ou pas. Ensuite, Christopher. Là, mes cheveux, là, c'est vraiment la pagaille. Je suis vraiment désolée si j'arrête pas de jouer dedans. Ah, tiens. C'est laid, mais c'est pas grave, je me sens mieux. Christopher, lui, c'était vraiment pas mon genre. Là. Je me rappelle, là, comme je le trouvais pas vraiment physiquement, non, il m'accrochait vraiment pas. Puis durant l'aventure non plus, là, j'étais comme, oui, oui, je suis allée pour tout, puis ça me fatiguait, puis non, je veux rien savoir. Tu sais, Alexandra, je la trouve, je l'aime, là. J'aime vraiment Alexandra d'Occupation 2. Puis, tu sais, je comprends, en même temps, il était honnête, tu sais, je veux dire, il jouait pas une game, tu sais, il a pas été fake, puis il a préféré retourner chez lui plutôt que, tu sais, de justement comme faker qui était attiré par elle. Fait que ça, vraiment, quand il est arrivé, je me suis dit comme, ok, il a tout mon respect. Puis après ça, on l'a vu dans des interviews, plein d'affaires, en dehors d'OD. Là, j'ai comme fait, attends un peu, toi, non, non. Là, j'ai découvert une autre facette de Chris, là. Puis là, j'étais comme, oh, je l'aime. Puis je le trouve plus beau qu'il était dans l'aventure. C'est con, hein? Je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre, mais quand je l'ai vu comme en dehors de l'aventure, j'étais comme « Oh, il est beau! » Mais dans l'aventure, j'étais comme « Bof! » Ensuite, de tout là, la gang, procédons au prochain candidat. Et mon français, il y a de la misère ce matin. Nous procédons à Philippe. Philippe, comment je dirais bien ça? Bon,
Moi puis lui, on a comme une relation d'amour-haine. C'est juste moi qui ai une relation d'amour-haine avec lui. Lui, il me connaît pas. Je change rien à sa vie. Ok, on va commencer là, par les bofs, ok? Pourquoi je le trouve bof? C'est que je trouvais qu'il y avait comme un excès de confiance, comme over too much. Puis je me disais que je le trouvais trop gamer. Mais tu sais, c'est pas nécessairement un défaut quand t'es gamer dans OD, parce que je veux dire, c'est un jeu de séduction. Il faut que tu sois gamer, sinon tu t'affiches let's go tout de suite dès la première semaine. Puis t'es vraiment wannabe, cette personne-là. Ça se peut qu'on te sorte. Mais sinon, je trouve qu'il a été super honnête. C'est un des gars qui a été les plus honnêtes là. T'sais, il a tout le temps dit d'en face à Sandrick, t'sais, moi, je continue sur Joanie, j'ai confiance, je vais quand même essayer avec elle. T'sais, à place de dire non, inquiète-toi pas, je ferai rien avec, puis t'sais, dans son dos, comme essayer de faire des avances à Joanie, puis continuer la game là-dessus. Mais il était super honnête, fait que ça, vraiment wow. Puis aussi, sa loyauté, que je pourrais dire, envers Joanie, justement, il l'a toujours dit, il a dit « c'est mon premier coup de cœur, j'irai pas me revirer sur un 10 cents pour essayer de gagner, moi c'est Joanie, si elle veut pas, tant pis, mais je vais pousser jusqu'à temps qu'elle me dise vraiment officiellement non, puis que ça soit terminé. » Fait que tu sais, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis sinon, je trouve qu'il est vraiment authentique envers lui-même, mais, tu sais, parce que là, je sais que peut-être que vous en foutez, là, mais je vous dis que moi, ce que je pense physiquement, ok? Selon mes goûts à moi, de moi, moi, moi. Puis j'arrête pas de dire moi, parce que je veux pas que vous disiez que moi, je le trouve vraiment beau, il est vraiment beau, tout le monde dit qu'il est beau. Oui, oui, c'est beau. Gars Philippe, là, tout le monde tripe dessus, il est beau, puis tout, vous le trouvez bien beau. Mais moi, j'aime moi, Mégane Renaud, je le trouve pas de mon goût. Moi, ça m'aurait pas attiré, ça aurait été un des derniers que j'aurais été voir là-bas. C'est ça, que si vous voulez, je vous dise, là, la gang. C'est ça. Adamo! On dirait qu'on peut pas dire son nom sans sourire. Je me rappelle quand il a fait son speech sur le tapis rouge, j'ai comme fait. Waouh! Je trippais dessus déjà. Puis c'était la première fois à OD, dans toute l'histoire d'OD, qu'on avait un speech drôle de même sur le tapis rouge. Ça, c'était vraiment le fun. Mais je pense que le fait que le public était présent a vraiment aidé à la donne. Je me rappelle qu'au départ, physiquement, je me disais « Ok, sans plus, tu sais, c'est correct. C'est pas le wow mannequin d'Hollywood, là. » Mais là, moi, là, c'est fou à quel point la personnalité d'une personne fait toute sa beauté. Puis en apprenant à le connaître, je le trouve comme... Je le trouve vraiment beau, là, maintenant, là. Puis, tu sais, comme, je trouve qu'il est tellement enthousiaste. C'est tout le temps le sourire aux lèvres. Il fait tout le temps des petites blagues par-ci, par-là. Il est bien relax. Il est gentil. Il est assez fin, cet enfant-là. Il est fin, là. Puis, il est drôle. Non, mais vraiment, Adamo, je l'aime. Je l'aime d'amour. Next one! Ah! Oh. Sandrick, là. Pour vrai, là. OK, Sandrick, c'est le gars que je trouve le plus beau de la gang. Je le trouve assez beau, cet enfant-là. Son sourire, son regard, son visage au complet, genre, il est juste tellement beau, là. J'en reviens pas, là, je te dis, là, je suis capable de ma vie, là. Puis à chaque fois que j'écoute Occupation 2 avec mon chum, je suis là, il est tellement beau. Puis mon chum, il me dit comme, oh, c'est fun. Mais tu sais, il comprend que c'est une émission, là, tu sais, c'est pas des gens qu'on côtoie dans la vie. Je trouve tellement qu'il est intelligent, tu sais. Il est lui aussi loyal, tu sais, il est vraiment loyal. Lui, c'est Joanie all the way, puis gars, les autres, on s'en fout. On pourrait dire qu'il est excessif des fois, mais en même temps, je pense que je serais comme lui. Tu sais, quand t'es tellement attaché à quelqu'un, puis tu sais, t'aimes cette personne-là, puis comme, il arrive toutes sortes d'affaires, tu sais, à part, elle va voir un autre gars, pis tout, c'est sûr, là, que tu sais, lui, il est bien stressé, puis il capote, là. Moi aussi, je serais excessif comme lui dans ces situations-là. Le seul petit défaut, là, c'est qu'il est peut-être pas assez, genre, blagueur, qu'on pourrait dire. Tu sais, j'aimerais ça qu'il soit plus drôle. Mais en même temps, tu sais, on le sait pas, on le voit pas, tu sais, sous toutes ses couleurs à Occupation 2, mais on le voit pas tout le temps. Puis tu sais, tous les commentaires que je dis, justement, c'est basé sur vraiment ce que je vois, tu sais, sont peut-être vraiment différents dans la vraie vie. Mais c'est ça. Je trouve que, tu sais, il est pas assez farceur. Pas assez bouffon. Bout en train, sac à blague. Louis-Philippe. Louis-Philippe. Il apparaît-tu ici sur ma main? Physiquement, il est vraiment beau, on se le cachera pas. Mais, c'est le genre de gars que moi, dans la vie, je trouve qu'il est inatteignable. Je sais pas si vous comprenez. Non seulement il est beau, tu sais, il a tout, là. Il est grand, il est beau, il a les cheveux longs, des beaux yeux, un beau sourire, les dents parfaites, bien blanches, la petite barbe, tout bien parfait, brun foncé.
Mais moi, c'est sûr que jamais j'irai vers un gars de même parce que je me dirais, j'ai aucune chance avec ce genre de gars-là. C'est des gars trop sélectifs, trop difficiles. J'aurais peur de, tu sais, me dévoiler, tu sais, comme. Moi, je suis vraiment pas une fille parfaite physiquement. Puis, je sais pas, j'aurais comme, je serais tout le temps stressée de me dire, il est trop parfait pour moi, j'aimerais pas ça. Sinon, je trouve qu'il est quand même drôle, tu sais, il est drôle de temps en temps, là, il fait des petites blagues par-ci par-là, pis tout. C'est le genre de gars que je trouve qui est dur. Tu sais, il a de la misère à s'attacher aux filles, pis c'est justement, ça explique, je pense, un peu ce que je pense de lui, c'est que. C'est vraiment quelqu'un de, tu sais, super sélectif, pis tu sais, qui cherche comme, il le dit, là, il n'y a pas de Jessica Alba. Ça va le suivre toute sa vie. Il dit, il n'y a pas de Jessica Alba, non, bon, je pense qu'il cherche cette Jessica Alba. Et en dernier lieu, nous avons Pascal Hugo! Hé, je parle pas de Karim, dans ma liste, je vais même pas parler de Karim. Je pense que ça dit tout. Karim, ok, je vais faire avec Pascal Hugo. Mais on parlait de Karim avant. Ça, c'est comme lui qui me tournerait le moins on dans tous les gars qu'il y a, ok? Il est comme trop sérieux pour moi, je pense. Il est comme tout le temps. Tu sais, pis c'est correct, il y a plein de filles qui recherchent ça, t'sais, un gars sérieux, pis tu sais, qui est comme. Qui sait ce qu'il veut, nanana. Mais moi, ça serait pas mon genre. Et je pense que justement, tu sais, s'il serait full drôle, pis tu sais, full enthousiaste, tout, peut-être que je le trouverais plus beau. Mais là, comme c'est là, je suis sans opinion là-dessus. Pascal Hugo, oh, wow, j'ai mis 3 cœurs à côté de son nom, regardez, ici. Wow, 3 petits cœurs, si beau. Puis c'est rare que je trouve des blonds beaux, mais lui, il est vraiment beau. Puis je trouve vraiment que dans tous les gars, c'est lui qui a la plus belle personnalité, tu sais, il est super posé, il est intelligent, là, ce gars-là, là. Puis dans sa manière de parler, je suis comme... Wow! Juste durant son speech au tapis rouge, j'étais comme, ah, oh, je trippais dessus, là, je trouvais, tu sais, moi, là, c'est vraiment ça, là, le premier contact, la façon de s'exprimer d'une personne, ça va tout me dire, puis lui, vraiment, là, j'étais comme, wow! Je capote, là. Et physiquement, il y a tout ce que moi, je trouve beau chez un gars, là, des tatous, des cheveux longs, la petite barbe cute, des beaux yeux, un beau style. Faut pas que mon chum écoute ça, parce qu'il y a tout sauf ça. Eh non, je l'aime mon chum, quand même. Je vais-tu parler tout le monde? Je pense que oui. C'est ça, c'est ce que je pense des gars d'OD. Si jamais vous avez envie que je vous parle des filles d'OD, parce que j'en aurais vraiment beaucoup à dire aussi, écrivez-moi là en commentaire, je vais en faire une vidéo pareil. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous êtes d'accord avec moi sur certains points, vous pouvez commenter « Hey, moi aussi, je pense ça, ouais! » Écrivez aussi c'est qui votre candidat préféré puis pourquoi. Tu sais, des fois, c'est le fun de se lire entre nous. Donc, oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez aimé, bien sûr, hein. Je vous force pas à aimer si vous l'avez pas aimé. N'oubliez pas de partager la vidéo ou de vous abonner si ça vous tente de me faire full plaisir. Je vous aime d'amour, plus que tout au monde. Et on se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde. Ouais!